plus de 50 ans, vous devez vite boire un verre d'eau avec de la poudre de mangue. Voici pourquoi. Il est peu probable que vous ayez déjà expérimenté de la mangue comme une épice ou même encore comme un remède, sauf si vous venez d'Afrique ou même des Indes. Cette poudre, comme l'ensemble de son fruit, est très bénéfique pour vous. En l'utilisant à bonne dose, ceci apportera des nutriments et des produits photochimiques nécessaires pour votre santé. Comme sa chair le suggère, les mangues ou même les oranges ou même les carottes, les patates douces et d'autres aliments à couleur orange sont remplis de composés phytochimiques sains, des composés nutritionnels qui aident à prévenir de nombreuses maladies chroniques telles que les maladies cardiaques, le cancer, le diabète et bien d'autres maladies comme nous allons le voir au cours de cette vidéo. Bienvenue sur votre chaîne de santé et de bien-être naturel. Si jamais vous êtes nouveau ou même encore vous êtes nouvelle et que vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, n'hésitez pas. Abonnez-vous, likez et commentez, mais surtout partagez ceci avec la famille et les amis pour que ça touche un maximum de personnes. Pensez à nous suivre sur nos réseaux sociaux, WhatsApp, Snapchat, Pinterest et même Instagram, Rose Mooney Fashion. J'étais aussi un coup d'œil sur le site rosemooneyfashion.com ou même sur le site rosemooneyvideo.com. Entre autres composés phytochimiques vedettes contenus dans la mangue, on a la bêta-carotène qui est un puissant antioxydant. Mais bien sûr, comme on l'a dit, ceci est aussi riche en d'autres composés très sains. La mangue contient des antioxydants uniques qui représentent une quantité d'antioxydants que l'on ne peut retrouver dans aucun autre fruit ou même encore dans aucun autre légume. Et l'un des plus uniques et des plus puissants de ces antioxydants s'appelle le lupéol. C'est un anti-cancer. Sachez que le lupéol peut bloquer la mutation de votre ADN, une des principales causes de la formation des tumeurs. Par exemple, pour lutter contre le cancer de la prostate, il a été établi que le lupéol permet de lutter contre les lésions de la prostate et permet de protéger contre le cancer de la prostate. D'autre part, permet de réduire une hypertrophie de la prostate, une affection appelée hypertrophie bénigne de la prostate, soit encore HPP, qui frappe 4 hommes sur 5 de plus de 50 ans. Avec des symptômes urinaires tels que les incontinences, les missions les plus fréquentes, avec un flux ou même encore un débit plus faible, des réveils fréquents pour aller uriner, le lupéol pourrait devenir une alternative importante au traitement du HPP. Ceci permet d'équilibrer les sucres dans le sang. Des études de chercheurs brésiliens ont montré que les mangues vertes peuvent aider à réguler les niveaux de sucre dans le sang. Ça peut aussi aider à inverser les maladies des gencives. La mangiférine, un autre antioxydant de la mangue, réduit l'inflammation de la maladie parodontale et ralentit le taux de perte osseuse. Ceci aide à la protection contre la pollution et aide à détoxifier le corps. Des chercheurs en Inde ont découvert que la mangiférine protégeait les cellules du foie contre les effets néfastes du cadmium, qui est un polluant très répandu dans les grandes villes. Ceci permet de renforcer la thyroïde. Les extraits de mangue verte aident à la production plus élevée de plusieurs hormones thyroïdiennes. Les experts de la santé pensent que l'hypothyroïdie, qui est une faible fonction thyroïdienne, entraîne un large éventail de problèmes, y compris le gain de poids, la fatigue, les maladies cardiaques. Et la mangiférine aide à ralentir le développement de cette maladie, voire même à l'inhiber. Ça aide aussi à lutter contre la maladie cardiaque. Pour bénéficier de tous ces bienfaits, si vous avez de la mangue verte à disposition, mangez-la aussi souvent que possible. Sinon, commandez votre poudre de mangue verte bio sur internet ou même directement en magasin bio ou même dans les magasins africains ou même dans les épiceries indiennes. Vous pouvez aussi directement conditionner cela par vous-même. Pour cela, râpez votre mangue, séchez la soie au four à 30 degrés pendant 4 heures, soit simplement au soleil. Ensuite, mettez ça dans un bocal hermétique et prenez cela avec de l'eau tiède, une grande cuillère dans un verre d'eau tiède, chaque matin à jeun.
Les hommes de plus de 50 ans devraient consommer ceci régulièrement. Voilà mes très chers, pensez à partager ceci avec la famille, les amis, pour que ça touche un maximum de personnes. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, marquez-moi le mot « mangue » dans les commentaires, je le saurai et je vous remercierai personnellement et même très chaleureusement. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, mettez plein de pouces en l'air, partagez, mais surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous.